Être entrepreneur de travaux agricoles, c'est un beau métier. Entrepreneur de travaux agricoles, ce qui est bien, c'est le contact avec la clientèle, hein, échanger. Oui, c'est travailler dehors, c'est pas être dans un bureau, c'est voilà, être à la nature. Et puis la diversité du travail aussi, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas chaque jour, on ne fait pas le même travail. Parce que nous avons un relationnel avec nos clients qui est quand même très important. Nous avons des clients différents, que ce soit des agriculteurs ou des propriétaires terriens, des gens qui ne connaissent rien en fait au métier d'agriculteur. Mais déjà, le métier d'entrepreneur, c'est un beau métier parce que c'est une passion d'entreprendre, déjà de vouloir prendre des risques. Et puis, c'est aussi la passion quand même du machinisme, de l'agroéquipement. La première des choses, c'est d'appartenir à ce beau monde qu'est l'agriculture. Hein. Moi, j'y crois beaucoup. Hein. Même si elle est beaucoup décriée aujourd'hui, on parle beaucoup d'agribashing. Pour autant, c'est certainement le plus beau des métiers. C'est super intéressant parce qu'il n'y a rien de monotone. Il nous faut échanger, éprouver et surtout savoir expliquer et faire avancer les choses. Bon, c'est le métier entrepreneur, c'est entreprendre et être entreprenant. Voilà. On sait qu'on va être performant et qu'on va pouvoir apporter aux clients toute la satisfaction nécessaire à l'épanouissement de leur exploitation. En fait, l'association d'une passion qui est le machinisme, avec la nature, là où on vit tous les jours, et de mêler les deux pour le bien et le service de l'environnement et aussi, bien sûr, du monde agricole. Entrepreneur, ça permet d'allier un certain nombre de choses qui sont au cœur de mes sensibilités, à savoir le monde agricole duquel je suis issu, la gestion d'entreprise et puis de la technologie, de l'innovation permanente et pouvoir adapter cette technologie aux besoins des clients. Ce métier, moi j'y suis arrivé un petit peu par accident hein, et vraiment ce que j'ai toujours aimé, c'était ce relationnel avec les clients hein, et plus particulièrement avec les clients agriculteurs. Hein. Je ne suis pas issu des travaux agricoles, ma formation était ingénieur informatique et je suis venu dans ce métier-là parce qu'il y a un contact avec humain, avec la nature et diversité des travaux dans les champs. Voilà, ça me plaît bien ce genre de métier. De par l'innovation permanente, rendre service au monde agricole a toujours été mon leitmotiv. C'est pour ça que j'aime ce métier. Voilà. Oh, entrepreneur, mais c'est le plus beau métier du monde. Hein.